Bonsoir à tous et à toutes, le grand mec en action. Il n'y a que moi seul qui puisse faire cette vidéo, alors je décide de la faire aujourd'hui. Je m'en fous de ce que quelqu'un va penser. Il faut dire la vérité pour dire la vérité. Avant de commencer, j'aimerais dire ceci. Il faut que vous compreniez que c'est nous les garçons qui sommes seulement à mesure de vous dire ce qui se passe. Quand en tant que femme, vous ne faites pas ce que nous on fait, ça dit que vous n'allez pas en bas de go pour aller laper. Car c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, le lapement dépête tout. Donc, pourquoi certaines choses se passent aujourd'hui, je vais vous expliquer. Aucune d'entre vous, aucune, ne va la plus pétrole sa camarade, à moins que vous êtes lesbienne. Donc c'est normal que vous ne comprenez pas quand nous on parle. Mais je vais vous expliquer. Et si les garçons sont d'accord, écrivez, on est d'accord, pour que les filles sachent que je ne mens pas. Je ne dis pas ça parce que j'aime pas les femmes, viennent dénigrer les femmes, quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que les gros sachent que ce que j'ai dit là, c'est de nous on parle à chaque fois, mais qu'on ne peut pas dire aux gros parce qu'elles vont se frustrer, elles vont se fâcher. Les gars, mettez en bas, en massivement, on est d'accord. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pour que les gros sachent que c'est unanimité. Les gars, c'est pas vous qui allez la paix partout de vos camarades. C'est nous. Donc écoutez, on va vous dire ce qui se passe en bas là-bas réellement. Ok, la raison pour laquelle on n'est pas allé en bas pour aller laper à chaque fois, c'est qu'il y a des odeurs. Odeurs. Maintenant, vous allez nous dire que nos garçons ont odeur aussi en bas. C'est pas faux. Mais le problème avec nous et vous, c'est que nous, là, on peut laver. Vous dites ça par frustration parce qu'on en parle. Sinon, nous, là, on peut laver là, et puis c'est fini. Mais ça va, petit drôle, tiens, jaillit. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas de trou. Vous avez un trou. Un pot d'échappement. Vous avez ça. Du coup, il faut comprendre que si ça ne va pas chez vous, ça ne va pas dans le monde entier. Le monde, si ça sent, le monde entier sent. C'est ça. Donc, il y a trois ou quatre types de pétou que je vais expliquer aujourd'hui. En avant-propos, ben c'est ça. Avant-propos du livre, il faut comprendre que le pétou lui-même a une odeur normale qu'on appelle Yves Saint Pétou. Je ne vais pas parler de Laurent. Ben Laurent, Laurent souffre trop. Donc, l'odeur normale, c'est-à-dire que le JMT, ce qui est à la base des choses, ce qui est à la ligne, ça là, hein, c'est le Yves Saint Pétou. La plupart des gars ont ça. Et nous, c'est pas de ça qu'on se plaint. C'est pas de ça qu'on se plaint. Mais le Yves Saint Pétou, c'est pas grave. Tu laves un peu, ça s'en va, on joue avec, il y a foyer. Dans le Yves Saint Pétou, il y a foyer. C'est l'odeur normale. Tu as ça, c'est pas si grave. Tu peux laver un peu, il y a foyer. Maintenant, en haut de ça, ça veut dire qu'il y a une odeur extra super. Il y a un truc super qui avait, c'est un pétou, on appelle ça pétou diesel. Parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Dans ma propre vie, moi, le grand, mais je n'ai connu que trois. Trois seulement dans ma vie. Ça veut dire que Dieu a fait ça en version limitée. C'est pas beaucoup. Voilà, c'est un Versace de ça, c'est diesel. Ça veut dire qu'il y a des pétous que moi j'ai croisés qui ne sentent pas du tout, qui n'ont pas d'odeur. Même le goût, il n'y a pas de goût. Tu l'as, il n'y a pas de goût. Donc, tu as envie de rester en bas. Là, j'ai connu que trois dans ma vie. Et les trois là, il y a une seule avec qui je ne suis pas sorti. Tout le reste là, laisse à faire. Je n'ai pas expliqué ça ici. Ce n'est pas tout on dit. Je ne suis pas sorti à elle. Bref, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ne me jugez pas. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Bref, trois après tout, diesel. En haut du Yves 5 après tout. Maintenant, en bas de ça. Il y a deux sortes de pétou que vous deviez comprendre, les filles. Que ce n'est pas supportable. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas. D'abord, il y a ce qu'on appelle justement le pot d'échappement. Voilà. C'est les gens de go, quand ils écartent les pieds, la chambre sent automatiquement. C'est que la go même sait, elle sait que je ne peux tout ça. Mais elle ne fait rien pour ça. Et le gars sent ça, il ne va pas aller en bas là-bas, ma chérie. Toi-même, c'est là, tu sais que il y a des choses que tu n'as pas fait. Tu sais. Si c'était toi, tu n'avais pas fait. Donc, pourquoi nous, on doit faire? Tu comprends, non? Ça, tu sais immédiatement. Quand les quatre, les piquets se déshabillent, ça sort. C'est gâteux. C'est gâteux. Le pot d'échappement. Maintenant, le dernier cri. C'est que vous devez savoir. Il y a des go. Il y a des go. Quand un loup, tu ne sens pas. Tu ne sens pas. Mais quand tu gores, tu fais le mouvement. Et puis tu sors. On appelle ça 20 mousses. Tu entends. Pas
respecte plus toi. C'est ça là qu'on n'aime pas. Quand le gars sent ça là, il revient plus là-bas. Si tu es un gars, et que le gars t'a lâché une fois, et qu'il refuse de relâcher encore, c'est que toi tu as respecté plus toi. Mais pas barreau. Mais si le gars n'est jamais allé te laisser, mais jamais même, c'est que toi, me dis, hey, non seulement il ne veut même pas de toi, mais toi tu respectes tout. Un pot d'échappement. Mais s'il est toujours là-bas, c'est que soit tu as le GMT, que tu demandes le Y5 et tout, ou bien tu as le diesel, ce qui est encore rare. Tu comprends? Mais il faut que vous compreniez ça. C'est pas un jus. On te dit là pour t'éduquer, pour que toi tu te dis non, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Parce que pas barreau. Et puis le partout pour toi, c'est des maladies, c'est des infections. Tu vois, surtout le patou pour toi là. Mais non, le pas barreau. Quand tu rentres et puis tu sors là. Souvent quand tu sors de là même là, hein, l'excrément qui est dedans. Il y a des gâteaux. Normalement, quand un garçon finit de mougou, il s'endormit. Normalement, il y en a qui s'endorment. Ça veut dire que c'est un somnifère dans le patou qui fait que quand tu sors de là, ah, tu t'évanouis. Il y a un truc comme ça. Mais si tu vois que. Hey, maudia. Excusez mon langage, c'est sorti de ma bouche. Donc, tu vois, non? Si tu vois que le gars fait des rentrées et sorties, tu vois, et qu'il se lève pour aller se laver, là, c'est que soit le gars même naturellement est propre, ou bien souvent il entretient pas barreau ou bien truc qui fait que parce que l'excrément qui a l'intérieur, c'est l'infection, ça gratte un peu le gars. Il doit nettoyer, c'est plus l'odeur, c'est pas bon. Il ne peut pas garder ça dans son lit. Il doit rester, se laver tout avant de venir. Le gars, qui n'est pas mougou, il ne va pas juste nettoyer la pile, mais il s'en va se laver, il se lave totalement. Et puis il se coucher. C'est que toi, c'est à cause de toi, VDH, t'es maudit. À cause de toi. Puis c'est. C'est pas bon. C'est assez gâteux. C'est pas bon. Vous voulez. Donc, les gars, voyez-vous. Et puis voilà, ne soyez pas frustré, c'est pas mon chant. C'est pas mon chant. Je voulais juste vous expliquer pourquoi certaines choses sont comme certaines choses et que certaines choses sont certainement certaines. Bref. Et c'est bon. Bref, pas barreau.